Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un pull femme en top-down à l'aiguille circulaire. Là, j'ai fait l'échantillon. J'ai acheté la laine dans le magasin d'usine, donc il n'y a pas de marque. 10 cm par 10 cm est égal à 20 mailles x 28 rangs aux aiguilles 4 mm en jersey en droit. J'ai regardé donc une pelote similaire Bergère de France, c'est la marque Berlingo. Une pelote égale 165 mètres. Alors, il y a d'autres pelotes de laine qui peuvent être équivalentes, par exemple Bergère de France, Maya Unakit. En 3,5-4 mm et la pelote fait 125 mètres. Donc par rapport à celle que je fais de 165 mètres, il vous en faudra deux de plus. Pour le matériel, il vous faudra des petits câbles d'environ 15 cm ou des aiguilles à double pointe en 3,5 et 4 mm. Je ferai le modèle en 5 tailles, 34-36, équivalent à la taille 1. Il vous faudra 7 pelotes, en 38-40, 8 pelotes, en 42-44, 9 pelotes, 46-48, 10 pelotes et 50-52, 11 pelotes. Là, je vous montre le câble en petit, en 3,5-4,5, mais vous pouvez aussi utiliser des aiguilles à double pointe. Là, ce sont des câbles plus grands, 40 ou 60 cm. Il vous faudra aussi quelques marqueurs, grosses épingles à nourrice pour arrêter les mailles. Ceci sert à serrer les aiguilles pour changer de câble. Je donne l'échantillon pour vous permettre d'acheter n'importe quel modèle de pelote de laine. Là, c'est en coton, mais vous pouvez très bien le faire en acrylique. Si vous obtenez plus de mailles et plus de rangs, vous prenez des aiguilles légèrement plus petites et vice versa. On va commencer par le col. Avec une aiguille circulaire du 3,5 mm avec un câble de 20 à 30 cm. Moi, j'utilise pour la taille 2 un câble de 20 cm et la longueur totale avec aiguille fait environ 48 cm. Pour la taille 1, montez 108 mailles. Pour la taille 2, 112 mailles. Pour la taille 3, 116 mailles. Pour la taille 4, 120 mailles. Et pour la taille 5, 124 mailles. Si vous avez tendance à trop serrer au montage, prenez des aiguilles circulaires numéro 4 mm et au rang suivant, vous prendrez les aiguilles du 3,5. Pour toutes les tailles, tricotez en côte de 2 pendant 3 cm. Pour tricoter en côte de 2, tricotez 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et l'on répète ces 4 mailles sur tout le rang et sur les 3 cm.
Les côtes de dos sont terminées et ce côté-ci extérieur est l'endroit. Comme on commence ici le premier rang, pour avoir du jersey endroit sur l'extérieur, on va tricoter tous les rangs en vert. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc. Ensuite, après les côtes, tricoter un rang en vert aux aiguilles 4 mm en augmentant en même temps à intervalles réguliers. Pour la taille 1, vous augmentez de 2 mailles et vous obtenez 110 mailles. Pour la taille 2, on augmente de 3 mailles et on obtient 115 mailles. Pour la taille 3, on augmente de 9 mailles et on obtient 125 mailles. Pour la taille 4, on augmente de 10 mailles et l'on obtient 130 mailles. Pour la taille 5, faire 11 augmentations et l'on obtient 135 mailles. Et pour obtenir ces mailles à intervalles réguliers, pour la taille 1, tricoter ainsi une augmentation plus 54 mailles en vert plus une augmentation en vert plus 54 mailles. Pour la taille 2, les augmentations se font toujours sur l'envers et l'on tricote tous les rangs en vert. Donc pour la taille 2, une augmentation plus 37 mailles plus une augmentation plus 37 mailles plus une augmentation plus 38 mailles. Pour la taille 3, commencez par une augmentation plus 13 mailles et répétez 8 fois au total. Donc une augmentation plus 13 mailles, recommencez une augmentation plus 13 mailles, etc. Et terminez par une augmentation plus 12 mailles. Pour la taille 4, faire une augmentation plus 12 mailles à répéter au total 10 fois. Pour la taille 5, faire une augmentation plus 12 mailles, plus une augmentation plus 11 mailles, et répéter ceci 9 fois au total, et terminer par une augmentation plus 13 mailles. Ensuite, tricoter sur toutes les mailles pendant 2 cm pour la taille 1, 2, 3, 4 et 3 cm pour la taille 5 à partir des côtes de 2. Je vais prendre mon aiguille 4. Là, j'ai commencé à changer. Alors, j'ai mis un bouchon pour ne pas perdre les mailles. Et surtout quand j'arrête le travail. Au rang suivant, bien mettre le marqueur à la première maille qui sera l'augmentation, parce que le marqueur, lorsqu'on a fait ce rang, bien mettre le marqueur à la première maille parce que celui-ci représente le milieu du dos. Pour l'augmentation, prendre la maille en dessous, la remettre sur l'aiguille du côté gauche et la tricoter en vert. Ensuite, tricoter le nombre de mailles en vert. Comme moi, je fais la taille 2, je tricote 37 mailles en vert et je recommence les mêmes augmentations et je termine par 38 mailles. Je vous remonte l'augmentation. Je prends en dessous, je replace, je tricote en vert et mes 37 mailles. Sur la première augmentation, j'ai bien mis le marqueur et je continue pendant 2 cm en comptant à partir des côtes en mailles. En vert.
Donc on a après les 2 ou 3 cm, 110 mailles pour la taille 1, 115 pour la taille 2, 125 pour la taille 3, 130 pour la taille 4 et 135 pour la taille 5. Au rang suivant, on va faire un rang avec des augmentations. Pour la taille 1, 22 augmentations. Pour la taille 2, 23. Pour la taille 3, 25. Pour la taille 4, 26 augmentations. Pour la taille 5, 27 augmentations. Et on va procéder ainsi pour avoir un travail régulier. Pour la taille 1, une augmentation plus 5 mailles à répéter 22 fois et l'on obtient 132 mailles. Pour la taille 2, on répète une augmentation plus 5 mailles 23 fois et l'on obtient 138 mailles. Pour la taille 3, une augmentation plus 5 mailles que l'on répète 25 fois et l'on obtient 150 mailles. Pour la taille 4, une augmentation plus 5 mailles à répéter 26 fois, on obtient 156 mailles. Et pour la taille 5, une augmentation plus 5 mailles à répéter 27 fois et l'on obtient 162 mailles. Pour les augmentations, on fait comme le rang précédent. On prend la maille en dessous, on la tricote envers, plus 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence l'augmentation. On reprend en dessous, on remet, on tricote la maille envers, 5 mailles en droit. Et l'on répète toujours, c'est une augmentation plus 5 mailles et on termine par 5 mailles. Au rang suivant, on va faire un rang avec des augmentations. Pour la taille 1, 2, 3, 4, 5, on fait les mêmes augmentations que le rang précédent. Et l'on tricote ainsi pour la taille 1. Une augmentation plus 6 mailles à répéter 22 fois. Et l'on obtient 154 mailles. Pour la taille 2, une augmentation plus 6 mailles à répéter 23 fois, on obtient 161 mailles. Pour la taille 3, une augmentation plus 6 mailles à répéter 25 fois et l'on obtient 175 mailles. Pour la taille 4, une augmentation plus 6 mailles à répéter 26 fois et l'on obtient 182 mailles. Et pour la taille 5, une augmentation plus 6 mailles à répéter 27 fois et l'on obtient 189 mailles. J'ai mis mon marqueur au début du premier rang, c'est-à-dire à la première augmentation, mais on peut aussi mettre à la fin du rang un petit rond comme ceci et le mettre. Une augmentation. Je tricote envers 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon augmentation. Et je répète ceci jusqu'à la fin du rang. Je vérifie régulièrement mon attache et là je m'aperçois qu'il commence à tourner. Donc je retourne pour bien qu'il soit accroché pour ne pas perdre les mailles.
Il faut le faire assez souvent. Ensuite, on va changer de câble, mais pas de numéro d'aiguille. Et on va faire du point ajouré sur 8 rangs. Il y a deux possibilités pour changer de câble. Soit, comme là, on met un bouchon et on remet l'aiguille sur un nouveau câble en employant les mêmes aiguilles et un bouchon pour ne pas perdre les mailles. Et on commence le point. Moi, je vais prendre carrément d'autres aiguilles 4 avec un câble de 35 cm. J'ai remis mon aiguille puisque je vais me servir de nouvelles aiguilles numéro 4 mm. Pour le point ajouré, mettre toujours le marqueur sous la première maille à cause du jeté de la dernière maille du premier rang et du jeté à la première maille du rang suivant. Continuez au point ajouré en commençant au premier rang pour toutes les tailles à répéter deux mailles ensemble envers plus une jetée. Mais pour la taille 1 et 4, sur les deux dernières mailles, terminez par deux mailles ensemble envers plus un jeté. Pour la taille 2, 3, 5, comme il faut un nombre de mailles pair, vous terminez sur les trois dernières mailles par 3 mailles ensemble envers plus un jeté. Donc pour la taille 2, vous obtiendrez 160 mailles, pour la taille 3, 174 mailles et pour la taille 5, 188 mailles. Le deuxième et quatrième rang, vous tricotez toutes les mailles envers. Pour le troisième rang, pour toutes les tailles, vous tricotez et répétez un jeté plus deux mailles ensemble envers. Ensuite, vous recommencez ces quatre rangs encore une fois en tricotant le premier rang pour toutes les tailles par deux mailles ensemble envers plus un jeté et sur les deux dernières mailles, vous tricotez deux mailles ensemble envers plus un jeté. Je vais montrer deux mailles ensemble envers plus un jeté et pour faire trois mailles ensemble envers, c'est comme deux mailles ensemble envers en ajoutant une maille. Au premier rang, deux mailles ensemble envers. Un jeté envers. Pour avoir le jeté envers, on enroule le fil autour de l'aiguille et on recommence. Deux mailles ensemble envers, un jeté envers. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles envers. Au troisième rang, un jeté avant mais envers. Donc on passe le fil devant l'aiguille, on tourne autour. Deux mailles ensemble envers. Et on recommence. Un jeté en tournant autour de l'aiguille, deux mailles envers. Alors je vais doucement pour bien vous montrer. Un jeté, deux mailles envers et au rang suivant,
je tricote toutes les mailles en vert et je recommence encore une fois ces quatre rangs. Puis tricoter tous les rangs en maille envers pour la taille 1 pendant 3 cm, pour la taille 2 4 cm, pour la taille 3 5 cm, pour la taille 4 6 cm et la taille 5 pendant 7 cm. Voilà le résultat. Merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la fin de l'empiècement.